sur la marche de l'opposition. Je vais, à l'entente de mon propos, dire que nous sommes des républicains. Certes, il y a eu un département, c'est-à-dire le département de Dakar, qui avait déposé même une marche, une demande d'autorisation de marche à la même heure et même itinéraire. Mais j'avoue que nous sommes même pour l'autorisation de la marche. Et je pense que le président de la République, comme vous le connaissez, c'est un démocrate. C'est quelqu'un qui, en tout cas, marche pour la démocratie. Et c'est la raison pour laquelle nous, tout ce que nous demandons, est qu'elle soit une marche encadrée, une marche qui ne va pas entraver la liberté de nos citoyens. Donc nous n'avons pas du tout, en tout cas, un veto ou bien une position qui est contraire à cette demande de marche. Donc, et c'est l'occasion de prouver, c'est l'occasion pour l'opposition de prouver à la population sénégalaise ce qu'elle représente réellement. Et dire qu'au moment où cette opposition va marcher, la jeunesse républicaine sera à Guédiouaï, dans la banlieue, avec les départements de Guédiouaï et les départements de Rufis, autour d'un grand rassemblement, un meeting qui va regrouper tous les responsables de la banlieue, les départements de Pikine et Guédiouaï, pour montrer à l'opposition qu'elle marche, mais la paix est dans le concret. Et la paix, aujourd'hui, a un poids politique qu'aucun parti n'a ici au Sénégal.